Pee-wee-plus. Est une vraie famille. Amis, c'est pour la vie. Bonjour, c'est nous, Topsy et Tilly. On vient juste de se lever. On visite l'école. Tim, Tim! Viens, Tim, réveille-toi, réveille-toi! Aujourd'hui, pour la première fois, maman nous emmène visiter la grande école et nous allons rencontrer notre maîtresse. Kiri a dit que son grand frère, Jordan, était un peu perdu quand il est allé à la grande école pour la première fois. Oui, je sais. Et j'espère que nous, on va pas se perdre aujourd'hui dans la grande école. Allez! Tu crois qu'on peut se perdre? Bonjour, Topsy et Tim. Alors, vous êtes prêts à découvrir votre nouvelle école? Oui. Non. J'ai mal au ventre, maman. Je ne me sens pas très bien. C'est mieux que je reste au lit. Bon. Tu m'as l'air en forme et tu n'as pas de fièvre du tout. Cette visite à la grande école te fait peur, je pense. Allez, viens prendre ton petit déjeuner. Allez, Tim. Le petit déjeuner sera prêt dans même pas 5 minutes. D'accord? On y va, ma puce. Viens, Tim. Tim, je t'ai fait un délicieux jus de fruits. Je pense que tu vas aller beaucoup mieux avec ça. C'est très bon, maman. Ah, je suis contente. Ah. Bonjour, Jeanne. Oui, ne quittez pas. C'est mamie. Bonjour, mamie. Tu viens, Tim? Oui, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment c'est. Au revoir, je t'aime fort. Merci, elle n'a pas raccroché? Oh oui, Jeanne, merci beaucoup. On vous rappelle un peu plus tard. On vous tient au courant. D'accord, au revoir. Tu me sembles vraiment très impatiente d'aller visiter ta nouvelle école, Topsy. Oh, Tim, tu n'es pas encore habillée? Je t'ai déjà dit, maman. J'ai mal au ventre. Je voudrais rester à la maison aujourd'hui. Tim. Pourtant, tu m'as l'air vraiment en pleine forme, mon fantastique Tim. Tu veux que je te dise, mon chéri? Je pense que ton ventre gargouille parce que tu es un peu nerveux. C'est normal, tu vas découvrir ta nouvelle école. Mais tu sais quoi? Si tous les deux, vous restez bien ensemble, tout se passera bien. D'accord? Comment on fait si on se perd dans la grande école, maman? Tu ne te perdras pas. Ah. Moi, allô? Je sais, Tim. Je sais comment on va faire dans la grande école pour ne pas se perdre. Ah, comment? Viens avec moi. Je vais te montrer. Comme ça, tu n'auras plus peur du tout. On va semer quelque chose derrière nous dans la grande école. Pourquoi? Ils ont fait comme ça dans l'histoire du petit pousset. Tu te souviens? Le petit pousset a mis des petits cailloux dans sa poche. Il les a laissés tomber un par un derrière lui. Tu te rappelles? C'est quand il était dans la forêt avec ses frères. Oh oui, ils ont suivi les petits cailloux et ils ont retrouvé leur chemin pour revenir dans leur maison. Quand on va aller à la grande école aujourd'hui, on va faire un chemin avec des petits cubes. Comme ça, on ne pourra pas se perdre. On va faire comme si on était à la grande école et qu'on était perdu. Alors, je vais laisser plein de petits cubes derrière moi pour que tu me retrouves. D'accord. On va essayer. Compte jusqu'à 20. Oh oui. Et tu ne regardes pas. Promis. Je vais suivre tous tes petits cubes et je vais te retrouver. 7, 8. Je suis les petits cubes et je vais voir où tu es. Ah. Topsy et Tim, il faut qu'on y aille. Tim, c'est quoi tous ces cubes par terre? C'est pour chercher Topsy.
que vous êtes en train de faire? Il y a des cubes partout. Désolée, maman. C'est notre chemin. Votre chemin? Mais pourquoi faire? Quand on sera dans la grande école tout à l'heure, on va faire un chemin avec des cubes. Comme ça, on ne pourra pas se perdre. Regarde. Oh. Eh bien, c'est une très bonne idée, mais... C'est Topsy qui l'a eu. Eh bien, c'est une très bonne idée. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas possible de semer des cubes dans l'école. Mais tu sais, on ne veut pas se perdre, maman. On a fait pareil que le petit pousset. Oh, mes chéris, ne vous inquiétez pas. Vous ne vous perdrez pas dans votre grande école aujourd'hui. Hmm? D'accord? D'accord. Mais Kerry m'a dit que Jordan s'était perdu. Ah non, il ne s'est pas perdu. C'est juste qu'avec sa maman, ils se sont trompés de chemin pour aller à la grande école. Oh, oui, mais nous, on sait où est l'école, on se perdra oui, pas. Oui, c'est ça, tu vois. Et Dominique vient de me téléphoner et elle m'a dit que j'étais autorisée à visiter votre classe avec vous. Je vous accompagne donc dans l'école. Super! On ne se perdra pas si tu es avec nous, maman. Ça, c'est sûr. Maintenant, Tim, il faut que tu ailles t'habiller et que tu manges quelque chose. J'y vais. Comment va ton ventre? Oh, il va un petit peu mieux, maman, merci. Très bien. On part dans 10 minutes, Tim. Monte vite t'habiller. Dépêche-toi, mon grand. D'accord, maman. Nous sommes arrivés à l'heure à la grande école. Nous ne nous sommes pas perdus. Allô, mamie? C'était génial. Notre maîtresse s'appelle Mademoiselle Terry et elle nous a lu une histoire vraiment belle sur les pirates. Oui, tiens, Tim. Mamie veut te parler. Oh! Allô, mamie? Très bien. Oh, on ne s'est pas perdu, mamie. Et l'école est vraiment grande. Il y a 2 cours de récréation et aussi 2 murs d'escalade. Merci, mamie. Au revoir. Topsy? Tiens, mamie. Au revoir, mamie. Je t'aime fort. Au revoir. Oui, maman. Ah, merci, ma chérie. Oui, merci beaucoup, Jeanne. Au revoir. Je l'aime bien, Mademoiselle Terry, notre nouvelle maîtresse. Et à ce moment-là, maman a dit... Vous allez revoir Mademoiselle Terry dans 2 jours. C'est très bientôt. Vous allez revoir Mademoiselle Terry dans 2 jours. C'est très bientôt, Topsy et Tim. Elle m'a dit qu'elle viendrait nous voir. À la maison? Pourquoi? Ça s'appelle La maîtresse vient chez vous. C'est pour que vous et elle, vous vous connaissiez mieux. Oh oui! J'ai tellement, tellement hâte. Je voudrais qu'elle vienne tout de suite. Oui! Ça va bien, Tim? Moi, je voudrais que Tony soit avec nous dans notre école, maman. Ah oui, moi aussi. Mais il a déménagé, tu te rappelles? Il va dans une autre école près de chez lui. Oui, je le sais bien. Tu l'aimes bien, Mademoiselle Terry, Tim? En fait, je ne sais pas. Maman, mon ventre me refait mal. Ah, Tim, ça te fait ça parce que demain, tu commences la grande école. Non, je crois que c'est parce que j'ai très faim. On a eu une matinée très chargée. Venez, on va manger quelque chose. Bonjour. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Tim. À vous de jouer. Aujourd'hui, avant d'aller visiter l'école, nous avons joué à quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez ce que Tim a suivi par terre pour me retrouver? Des petits cailloux? Ou des cubes? La réponse se cache derrière la pièce de puzzle. Regardez, la bonne réponse, c'est des cubes. On va vérifier. Tim, c'est quoi tous ces cubes par terre? C'est pour chercher Topsy. Tim, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y a des cubes partout. Désolée, maman. C'est notre chemin. Votre chemin? Mais pourquoi faire? Quand on sera dans la grande école tout à l'heure, on va faire un chemin avec des cubes. Comme ça, on ne pourra pas se perdre. Super jeu! On s'est vraiment bien amusés. Oui, à bientôt les amis.